En mars 1935, 2 ans avant le braquage du Crédit Lyonnais à Troyes, Émile Buisson assistait avec une partie de sa bande à un combat de boxe. Ce jour-là, le Troyen Maurice Holzer remporte son combat pour le titre de champion d'Europe des poids plumes face à Vittorio Tamanini sur décision après 15 rounds. Monsieur Émile est bluffé par la technique de Holzer. Il insistera farouchement pour le rencontrer juste après le combat et il se liera d'amitié avec le boxeur. Joe Buisson connaissait toutes ces histoires par cœur. Et afin de suivre les traces de son ancêtre, il a considérablement investi dans cette salle de boxe. Il veut à tout prix former des champions, gagner des titres et surtout que le monde entier en parle. Et lors d'une conférence de presse organisée pour son poulain, la présence d'une de ses collaboratrices, Spectra, allait gâcher la fête. Toute la ville était maintenant au courant que le trafiquant d'œuvres d'art se constituait un véritable empire. Et comme des bons soldats, il fallait faire le boulot. Ouais, le sale boulot. La plupart des commerçants cédaient sous la pression. Et il faut savoir que même le gangster le plus prudent ne sera jamais totalement à l'abri. Vous avez beau vous sentir invincible, intouchable, sur le toit du monde même. Mais la vie est toujours pleine de surprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui intéressait au plus Joe Buisson, c'était les bijoux, les pièces rares, quand même dissimulées dans des endroits exposés de la ville. Et moi, je me sentais comme, comment vous dire, piégé. Le Balkan, lui, n'était jamais inquiet, toujours aussi froid et méthodique. Et on n'avait pas besoin de beaucoup parler.
Le commissaire M est un spécialiste des techniques de renseignement réalisées par la surveillance des activités et contacts d'un individu ou d'un groupe d'individus. Il suivait secrètement, le plus secrètement possible, Joe Buisson dans ses déplacements quotidiens, et la méthode choisie par M implique l'infiltration de ses agents auprès des proches de Joe Buisson, et bien sûr à son insu. Lui s'était lié d'amitié avec une collectionneuse de renom dans la ville, une certaine Madame G. Ils s'étaient rencontrés lors d'une vente aux enchères et maintenant ils avaient l'habitude d'échanger sur leur passe-temps préféré. Madame G se doutait du train de vie de Joe et de ses activités. Et ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Madame G avait l'habitude de le mettre en garde. Évidemment, l'unique but était de monter, mais m'entourer de squal à chaque instant, donner le meilleur de soi dans mon trip. Et d'ailleurs, j'ai démontré que plus rien ne peut me faire chuter en soi. Gestion de crise, je vis une période charnière. Je perds un frère, il n'y a plus de retour en arrière. Moi, je suis sous la grâce palpable.